Je vais juste nous donner certaines directions. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons lui offrir des louanges, des adorations. Mais Dieu n'a pas les mains croisées. OK? Dieu aussi a des choses à faire. Je veux parler seulement pour orienter notre soif en direction de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dû prendre un break avec les acclamations. Mais nous allons encore nous plonger dans la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Alors, qui m'a été azali? Alléluia. Ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Alléluia. Mais nous allons avoir certaines directions. Comme la dernière fois, j'ai parlé de la mission qui était là. J'ai pas vu les mains. OK. Aujourd'hui, je veux parler de l'équipement pour la mission. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 16, verset 15, et puis 17 à 18. Et puis nous lirons dans Matthieu 10, 1, et puis 5 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Matthieu 10, 1 et puis 5 à 8. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la maison des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia, nous pouvons nous rasseoir. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer un peu en détail sur notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que aujourd'hui, nous allons changer cette place dans la chambre haute. Aujourd'hui, cette place, nous allons la transformer dans la chambre haute. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, quelque chose venant de Dieu vient au milieu de nous, nous affecte et nous devenons différents. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à secouer le ciel de manière à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens déterminés comme Jacob qui vont dire, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai reçu ma portion? Alléluia. Ce soir, j'ai besoin des gens déterminés parce que nous allons secouer le ciel jusqu'à ce que ce qu'il a promis puisse être matérialisé dans notre vie. Dieu est réel. Il agit. Il est vivant. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ait soif et qu'il soit sûr que quelque chose va se passer. La Bible dit que si deux personnes s'accordent pour une chose et qu'ils la demandent, cela leur sera accordé. J'aimerais que nous puissions nous accorder. Alléluia. La Bible dit que si vos pères méchants qu'ils sont savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu donnerait le Saint-Esprit à ses enfants. C'est une promesse. Un méchant papa donne des bonnes choses à ses enfants. Et un bon Dieu, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le Saint-Esprit à ses enfants lorsqu'ils demandent. Jésus dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je veux le faire. Nous avons des assurances et des certitudes. J'aime bien citer la parole de Dieu quand je prie. Pourquoi? Parce que au moins j'ai une base sur laquelle je sais que Dieu agit. Dieu n'est pas un menteur. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne travaille pas dans les sentiments. Alléluia. Tu peux avoir des sentiments, tu es en train de te réjouir, mais ce n'est pas ce qui bouge Dieu. Dieu bouge quand tu parles de sa parole.
quand tu lui demandes en fonction de ce qu'il a dit. C'est pour ça que je dis non, prenons le temps d'écouter ce que Dieu dit. Et puis nous allons prendre ses paroles, nous allons lui ramener ses paroles. Dis, Seigneur, tu es fidèle, accomplis ta promesse au milieu de ton peuple. Alléluia. La Bible dit, allez, où toutes les nations. Nous avons un mandat d'aller dans toutes les nations. Lorsque Dieu avait envoyé les disciples, il avait déterminé un territoire. Parce que chaque mandat que tu as de Dieu a un territoire limité. Alléluia. Chaque autorité que tu reçois de Dieu a un territoire limité. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez, mais n'allez pas chez les païens. Allez chez les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Allez là-bas, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et proclamez la bonne nouvelle. Alléluia. Il n'a pas dit seulement allez prêcher. Il a dit purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, proclamez la bonne nouvelle. Mais n'allez pas partout. Allez seulement auprès des enfants d'Israël. Mais lorsqu'il s'agit de nous, il change. Il dit non, 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 non. Vous allez dans toutes les nations. Alléluia. Le mandat que je vous donne n'est pas limité seulement à une partie. Le mandat que je t'ai donné, c'est d'aller partout et d'opérer dans la même dimension. Alléluia. Dans la même dimension. Allons faire de toutes les nations les disciples. Mais Jésus, lorsqu'il envoie son peuple pour parler de sa part, il ne les envoie pas sans équipement. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'il dit comme signe? Ils saisiront, ils parleront des nouvelles. Je commence par le premier. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Quand tu vas prêcher l'évangile, le commandement, ce n'est pas seulement de prêcher, mais il dit, tu rencontres un démon là-bas, tu le chasses. Pourquoi tu as le mandat et l'autorité de chasser n'importe quel démon? Il dit, en mon nom. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus du nom de n'importe quel démon. Il dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout pouvoir lui a été remis. Il dit, utilise mon nom, chasse n'importe quel démon tu rencontres. Il dit, en mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Si tu ne parles pas encore dans les nouvelles langues, ce soir tu vas parler. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, tu m'as envoyé. Je veux courir et aller accomplir ta mission. Mais tu as promis des signes. Tu as promis des équipements. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous savez, moi, j'ai fait 4 ans dans ma vie chrétienne en train de chercher à parler en langue. Oh là 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 là. J'étais déjà un prédicateur de l'évangile. Mais je ne parlais pas en langue. Le jour où j'ai cette expérience, j'ai compris que j'ai raté beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des fonctions qui ne marchent pas bien en toi parce que tu n'es pas encore entré dans ces choses. Aujourd'hui, parce que le Seigneur le veut pour ta vie, il va le déclencher afin que tu aies tout l'équipement nécessaire pour la mission. Alléluia. Il dit, en mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point aucun mal. J'ai l'impression que ce verset ne marche plus au Congo parce que les chrétiens sont effrayés du poison, je ne sais pas comment. C'est une promesse. Vous savez, la force du diable se trouve dans la faiblesse de notre foi. Le diable, quand tu crois en sa force agit sur toi. On a trop prêché sur la force du diable au point où les chrétiens sont plus conscients de la force du diable que du pouvoir de Dieu. Si toi tu dors au même endroit que les sorciers, qui est censé être effrayé? Les sorciers sont censés fuir ta chambre. Ils disent, je ne peux pas dormir avec cette personne. Pourquoi? Celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est en nous. Mais comment les chrétiens ont peur des démons? Mauvaise prédication sur le combat spirituel. Mauvaise prédication sur le combat spirituel. Ça accentuait la grandeur du diable. Un homme de Dieu racontait une histoire. Il dit que l'image qu'il donne du diable, c'est quoi? C'est comme si tu es à un endroit, il y a un rideau. Derrière le rideau, il y a, tu entends une voix. Tu as peur. Et puis il dit, quelqu'un a eu le courage. Il a dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau.
Il va, il tourne, il voit une petite souris avec un lance-voix. C'est ça le diable. Le diable a été vaincu. C'est comme une petite souris. Mais le problème, c'est qu'il a un lance-voix. Il rugit comme un lion. Mais ce n'est pas lui le lion. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Il vit en toi. Il peut t'imiter. Il peut imiter ton Dieu. Mais il n'a pas le pouvoir de te nuire. Rien ne peut te nuire. Il ne peut pas. Mais la force du diable se trouve dans la faiblesse de notre foi. On a l'impression que le diable est omniprésent. Mais c'est quoi ces histoires? On a l'impression que partout on voit le diable. Le diable possède rarement les gens. Parce que s'il possède un homme, comment il va diriger son armée? Alléluia! Mauvaise information. Nous allons chasser ces démons ce soir. Je répète, nous allons chasser les petits démons là qui dérangent la vie des gens. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire quand tu vois un malade, la première chose à faire, viens, je vais te guérir. Comment? On ne dit pas ils prieront pour les malades, ils imposeront les mains aux malades. La femme à la perte de sang, Jésus ne pouvait pas prier pour elle, n'est-ce pas? Elle a seulement touché. Jésus vit en toi, tu touches. Pour libérer la puissance qui est en toi, la foi doit agir dans la direction de la libération de la puissance. Tu dois croire que la puissance de Dieu est en toi et que quand tu touches quelque chose, sort de toi. Ça sort de toi. Ça sort de toi parce que Jésus vit en toi. Quand tu touches, quelque chose est libéré. C'est libéré. Je veux que l'Église comprenne. Nous sommes une armée forte, mais on n'est pas conscient de notre force. Alléluia. Allez, partout. Les signes sont des preuves que c'est Jésus qui nous a envoyés. Les signes sont des preuves que Dieu nous a envoyés. Vous vous souvenez lorsque Joseph avait envoyé ses frères auprès de son père? Lorsqu'il les a envoyés pour prouver qu'il était en vie. Il va là-bas, il raconte, il dit, non, vous savez, tu sais quoi, papa? Joseph est toujours en vie. La Bible dit que le cœur de Joseph était toujours froid. Il ne croyait pas. Et puis on dit, papa, viens dehors. Papa, lorsqu'il sort dehors, il voit les richesses que Joseph avait envoyées. La Bible dit que son esprit a été ranimé. Pourquoi? Il a vu des signes. Les signes que Dieu nous donne sont une preuve qu'il est ressuscité. Alléluia! Nous avons besoin de signes afin que le monde croie que notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est vivant, que nous prêchons un Dieu vivant. Alléluia! Lorsque Jésus prêchait aux disciples dans Jean 14, 10 à 11, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et puis continue, croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Est-ce que vous me comprenez? Les œuvres surnaturelles que Jésus opérait étaient une preuve que le Père était en lui et qu'il était dans le Père. Les œuvres surnaturelles que tu opères prouvent que Dieu, Jésus-Christ, vit en toi. Nous avons besoin de signes, des preuves. Des preuves. Acte 2, 22. Lorsque Pierre est en train de prêcher après la Pentecôte, il dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Les signes, nous en avons besoin, afin que le monde croie que celui qui nous a envoyés, c'est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas arrêter, non, tu sais seulement le caractère, parler bien. Non. Il y a la part des signes et des miracles. Il y a la part des signes et des miracles. Alléluia. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie prêcher. Il nous envoie aussi pour guérir. J'aimerais que tu mettes ça au même. Quand il dit, va, prêche.
Il dit aussi, va guérir les malades. Quand les malades sont guéris, ils se souviennent de la parole d'Ésaïe que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le peuple d'Israël se souvenait de ses paroles lorsque Jésus les guérissait. C'est pas un verset seulement récité par les maîtrisés de Jésus, nous sommes guéris. Non, il faut démontrer ces versets. Il faut démontrer. Chassant les démons, enseignant, parlant de Jésus, dans Luc 5, 15, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Si tu présentes le Jésus de la Bible, les gens, quand ils viennent vers toi, ils sont censés venir pour entendre Jésus et pour être guéris de leur plein évangile. Équilibre. Équilibre. Plein évangile. Nous ne voulons pas présenter un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Nous ne voulons pas présenter un Jésus qui n'a plus de mains, il ne sait plus guérir. Nous ne voulons pas présenter un Jésus seulement qui a gardé la bouche, qui sait seulement parler, mais sa main ne bouge pas. Non, nous voulons présenter le Jésus de la Bible. Quand les gens lisent leur Bible et ils regardent notre vie, qu'ils voient le même Jésus. Le même Jésus. Lorsque Jean-Baptiste avait commencé à douter que Jésus était Jésus, que Jésus était le Messie, il a envoyé des gens, il a dit, oh, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé, l'homme qui a présenté Jésus, hein? Il nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? Mais Jean-Baptiste, toi tu as proclamé, tu as même vu la colombe descendre sur lui. Il commence à avoir des doutes. Jésus, pour prouver qu'il était Jésus, le Messie, écoute ce qu'il fait. À l'heure même, sans effort, sans aller en retraite pour prier, ok? Sans aller jeûner pour prier, à l'heure même, ça m'a dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs malades, d'infirmités et d'esprits malades. Il rendit la vue aux aveugles, à l'heure même, hein? À l'heure même. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les gens ne sont pas seulement censés entendre, ils sont censés aussi voir. L'évangile est prêché par les oreilles, mais aussi par les yeux. Par les yeux aussi. Les gens voient l'évangile. Jésus vit en nous. Jésus, le même Jésus vit en nous. Oh Jésus, nous devons manifester ce même Jésus partout. Je nous ai dit que lorsque Jésus mourait, il avait un rêve, c'est de continuer sa vie de Jésus, hein? La vie de Jésus. Ce qu'il avait l'habitude de faire, il veut continuer à le faire dans ta vie, à travers toi. Alléluia. Lorsque nous prêchons, 1 Corinthiens 2, 4, la Bible déclare, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a de moins en moins l'évangile dans l'église. Nous commençons à trop enseigner le leadership. Nous enseignons les choses de l'école à l'église. Et maintenant, ça commence même à prendre la place. Ramenons l'évangile à sa place. Seul l'évangile est capable de transformer les vies. Alléluia! Seul l'évangile peut transformer les vies des gens. Et l'évangile de Jésus ne consiste pas seulement en beaucoup de Français, ou d'Anglais, ou de Grecs, ou d'Hébreux, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Les gens ont peur du challenge de puissance attaché à l'évangile. Notre rôle, c'est de
prêcher Jésus. Les miracles, c'est lui qui les fait. Un homme de Dieu que nous connaissons, Tel Osborne, était allé en Inde avec beaucoup d'anglais. Il a commencé à prêcher, on lui a dit, papa, tu as un livre noir, nous avons un livre noir. Le nôtre, c'est le Coran, toi, c'est la Bible. Qui nous dit que ton livre est plus sacré que le nôtre? Il a manqué d'arguments, il est rentré dans son pays. Il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Et puis il a rencontré un homme de Dieu qui opérait dans la puissance. Il a appris comment opérer aussi dans la puissance. Et puis il a dit, maintenant j'ai des preuves, je vais rentrer là-bas. Alléluia. Il dit, c'est comme ça que vous entendez le slogan où les gens disent, Jésus-Christ est Seigneur, la preuve est dans les miracles. Il a dit, là-bas je vais opérer. La preuve que Jésus n'est pas mort comme Mahomet est resté dans le tombeau. La preuve que Jésus est différent de Gandhi. La preuve, c'est qu'il est toujours en vie et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. C'est ça le challenge que nous avons quand nous disons que nous sommes chrétiens, que Jésus vit en nous. Quand tu dis que Jésus vit en nous, ça veut dire que Dieu vit en toi. On veut le voir. Les gens disent, nous voulons voir Jésus. Pas nous voulons seulement l'entendre, nous voulons le voir. Arrête de donner des excuses au nom de Jésus. Qui t'a dit que Jésus veut donner des excuses? Il veut se manifester. Jésus veut se manifester. Il dit, permets-moi seulement de me manifester parce que je veux sauver. Nous limitons Jésus par notre manque de foi. Manque de foi. Écoute ce que Jésus dit dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus avait déjà des signes terribles qui prouvaient qu'il était le Fils de Dieu. Mais il dit, non, vous allez faire des plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais dans une position supérieure. Des plus grandes. On a l'impression que ce verset ne s'accomplit pas. Hein? Écoute l'histoire dans Actes 19, 11 à 12, parlant de Paul. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaire. Vous savez, les miracles est déjà extraordinaire. Mais si on insiste, ça veut dire que c'était vraiment terrible. C'était vraiment, on a vu miracle, mais ça, c'est miracle. On dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il faisait des miracles. Miracles miraculeux. Miracles qui dépassaient l'entendement. C'est comme si on a vu des niveaux, mais ce niveau est un autre niveau, de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous allons aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ils ont vu des miracles, ils vont voir des miracles extraordinaires. Extraordinaires. Écoutez, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, ils ne savaient même pas. On applique ses mains sur toi, comme moi là. Et les maladies les quittaient et les esprits malins les sortaient. Hey. On ne chasse pas les démons. Toi, tu es habitué à chasser les démons. Oh non, tu sors. Quelqu'un vient seulement et fait ça. Prends. Et puis, il part chez lui. Non, pasteur, il est orgueilleux. Non, ne dis pas, va mettre ses mains. Tu mets le mouchoir sur les démons. Sans faire, on t'a pas dit d'aller prier. Prends seulement, mais. Tu vas mettre tes prières sans foi. Tu vas abîmer l'onction qu'il y a là. Toi, prends seulement, mais. Tu sais, il y a des gens qui prient 4 heures du temps pour rien, sans foi. Arrête ces prières. Toi, prends seulement, mais. On chasse les démons sans prière, sans 5 heures du temps en train de dire, au nom de Jésus, la voix est partie. Seulement, on prend le mouchoir. Et Paul, guérison, mouchoir. Écoutez Pierre, acte 5, 12, et puis 15 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Quand on parle de réveil, on parle aussi des miracles.
C'est pas seulement conversion des âmes, miracle, 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 miracle. Au point qu'on appliquait, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrirait quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Quand Pierre est en train de marcher, celui qui demeure sous l'esprit très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que Jésus vivait en Pierre. Quand Pierre était en train de marcher, toi tu voyais l'ombre de Pierre, mais en fait ce n'était pas seulement l'ombre de Pierre, c'était aussi l'ombre de celui qui vit en lui. Et lorsque tu viens sous l'abri de celui qui vit en Pierre, des choses se passent. Des choses se passent. Ils avaient compris qu'il y a quelque chose de spécial dans la vie de cet homme. Même son ombre, même son ombre, miracle miraculeux. Miracle miraculeux. Ils feront des choses que je fais, mais ils feront de plus grandes. Écoutez encore cette histoire. Dans Actes 9, 39 à 42. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur à cause des signes. Papa, ils vont chez Pierre. Ils ne sont pas en train de dire à Pierre, Pierre, tu sais, nous savons que tu sais prier. Demande à Dieu de faire quelque chose. Non, non. Ils sont en train d'intercéder auprès de Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un vient chez toi et dit, non, mon frère Alain, tu sais, c'est une bonne femme, elle a fait des bonnes choses, fais quelque chose pour elle. On ne dit pas, non, va prier Dieu. Toi, ils sont convaincus que si Pierre fait quelque chose, il décide, il peut opérer dans la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Disons, quand ils se promenaient, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus vit en nous. Il vit en nous. Partout où nous allons, nous organisons des services. Mais quel genre de service? Partout où nous allons, la gloire de Dieu qui repose sur nous est en train d'opérer. Mais nous devons apprendre à libérer cette puissance. Alléluia. Les miracles sont des preuves que Jésus est vivant, qui n'est pas dans le tombeau. Beaucoup de gens ne le croient pas. Nous devons le démontrer, le manifester, afin qu'ils sachent. Le Jésus là, ne le cherchez pas dans les tombeaux. Quand vous venez vers moi, vous allez le rencontrer. Pas dans notre église, mais moi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand les gens te rencontrent, ils rencontrent Jésus. Il faut le manifester. Il faut le démontrer. Il faut le manifester. Il faut le démontrer. Jean 16, 7, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le monde a commis une erreur de tuer Jésus. Parce qu'en le tuant, il s'est multiplié. Est-ce que vous me comprenez? C'est avantageux. Le diable même n'avait pas compris ces déclarations. Et c'est avantageux que je meure. Il dit non, je vais les tuer. Quand il les tue, il ne comprend pas que Jésus est la résurrection et la vie. Tu ne veux pas tuer quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Mais lorsque tu les tues, tu déclenches le pouvoir de résurrection. Et quand il ressuscite, il est plus puissant qu'avant. Alléluia. Il se multiplie. Tu détruis une graine, une forêt née. C'est ce que nous sommes.
Quel avantage le monde a? Jésus vit dans chacun d'entre nous. Même dans l'histoire, lorsque les gens tuaient les martyrs, au lieu de tuer le christianisme s'est multiplié. Nous sommes comme, vous connaissez les films où il y a des gens, quand tu les tues, ils se multiplient. C'est comme ça que nous nous sommes. Tu me tues, je me multiplie. Alléluia. Tu me tues, tu libères la puissance de la résurrection. Sans la mort, la puissance de la résurrection n'est pas libérée. Tu me tues, tu libères cette puissance. Tu libères cette puissance. C'est un avantage. Il vit en nous. Il vit en nous. Et cet avantage se manifeste par la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit vient rendre réelle la vie de Jésus en nous. Et Jésus. Je disais un jour, vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec de la poussière. Il a formé une statue. Mais il n'y avait pas de vie. Quand il a soufflé seulement dans l'homme, l'homme a reçu l'esprit que nous avons, l'esprit humain. C'est devenu un être vivant. Lorsqu'un homme meurt, vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand l'esprit part, il meurt. Ce qui maintient le corps humain en vie, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Alléluia. J'ai dit à Dieu, si l'esprit humain que tu mets en nous est capable de maintenir mon corps en vie, et à combien plus forte raison, lorsque l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur, vient dans ma vie. Est-ce que tu réalises? La vie de Dieu, la vie Zoé, coule de toi. La vie Zoé, coule de toi. Parce que l'esprit de Dieu vit en toi. Il vit en toi. Il rend réel la multiplication de Jésus à travers nous. Lorsque nous sommes revêtus de sa puissance, cela nous permet de manifester pleinement qui nous sommes. Avant de partir, il leur dit, attendez. Attendez. Ne partez pas comme ça. Si vous partez, vous êtes seulement des gens qui ont vu et qui veulent raconter. Vous devez recevoir l'expérience de la multiplication. Ils sont restés à un endroit en train de prier. Et prier, et prier. Et puis un jour, tout à coup, il y a eu un bruit. Tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme des flammes de feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Un signe que maintenant la réalité de la nouvelle naissance était accomplie en eux. Un signe que maintenant ils avaient l'équipement dont ils avaient besoin pour aller en mission. Et après ça, ils se sont levés, ils sont partis. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour sortir. Un jour, alors que les disciples étaient arrêtés, on les a tapés, on les a interdits de parler de Jésus. Écoute la prière. Disent, maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Seigneur, donne-nous plus. Il y a un niveau plus. Tu ne peux jamais épuiser le potentiel qu'il y a en Dieu. C'est pour ça qu'un homme comme Moïse, après avoir expérimenté des grandes choses avec Dieu, il pouvait encore crier, je veux voir ta gloire, Moïse. Hé, les miracles que toi tu as vus là, qui a déjà vu des choses comme ça? Dis non, je connais mon Dieu, il y a encore plus. Il y a encore plus. Ce que j'ai expérimenté hier, c'est rien par rapport à ce qu'il y a encore en Dieu. Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta puissance, une nouvelle dimension ce soir. Ce soir. Ce soir, nous allons transformer ce lieu en chambre haute. Ce soir, nous allons demander que le Saint-Esprit nous visite pour une nouvelle dimension. Ce soir, ayant compris la mission, nous allons dire, Seigneur, que les signes, les prodiges et les miracles soient réels dans notre vie. Nous allons nous lever, nous allons commencer à prier.